Ceux que l'on surnomme les anti-masques sont de nouveau descendus dans la rue en Allemagne. 15 jours après une forte mobilisation à Berlin, c'est à Munich qu'ils se sont donné rendez-vous pour dénoncer les mesures visant à freiner la propagation du coronavirus. Quelque 10 000 personnes ont participé à l'événement selon la police. Les forces de l'ordre ont dû interrompre le rassemblement car selon elles, les règles de distanciation n'étaient pas respectées ni le port du masque. Je suis contre ces mesures anti-coronavirus, dit ce manifestant. La couverture médiatique est très biaisée, selon moi. Nous n'avons plus de loi fondamentale, estime cet autre. Il n'y a plus que la loi qui protège contre les infections et sous couvert de cette loi, toutes nos libertés fondamentales nous sont enlevées. Plusieurs centaines de personnes ont également manifesté à Varsovie contre les restrictions imposées par le gouvernement polonais. Le cortège a débuté devant le Parlement et devait conduire au siège de la télévision publique accusée de mentir sur la pandémie. Assez de mensonges, assez de masques, ont notamment scandé les manifestants.